Howard Gutmann, l'ambassadeur nommé à Bruxelles il y a à peine un mois, a participé activement à la campagne de Barack Obama. Quand il a exprimé son désir de venir à Charleroi pour son premier discours, ses services se sont exclamés « Mais c'est le Bronx là-bas », du nom d'un quartier déshérité de New York. Je leur ai dit « Mais je suis né dans le Bronx ». Mon staff m'a dit « Vous irez d'abord à la Chambre de commerce belgo-américaine ou au Parlement ?» J'ai dit « Je ne ferai pas mon premier discours, ni à la Chambre de commerce, ni au Parlement ». C'est la réputation outre-Atlantique du musée de la photo de Mont-sur-Marchienne qui a également convaincu cet avocat new-yorkais de faire cette visite à Charleroi. Avant ça, il avait prononcé ce fameux premier discours devant les étudiants de l'Université du Travail. Le moment le plus important est le moment de parler aux gens, aux habitants de Charleroi qui ont connu beaucoup d'épreuves et qui ont beaucoup à nous apprendre. Ensuite, il a rencontré les pompiers de la ville de Charleroi. Depuis le 11 septembre, ces fanas de Harley-Davidson entretiennent une relation spéciale avec les pompiers new-yorkais.